Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de Starfield. On va continuer notre ascension pour les pouvoirs, sauf qu'on est un peu bloqué. Alors, il me reste encore apparemment temple non découvert et tout ça. J'ai pas tous les pouvoirs en fait au niveau 2 non plus. Et je crois que, encore une fois, comme le jeu, on va dire normal, avant qu'on passe en NG+, il y avait des pouvoirs en fait qui étaient bloqués derrière des événements de l'histoire principale. Et je pense que là c'est la même chose. Donc on va devoir faire ça. Et voilà, tout simplement. Donc après, si par contre je débloque des pouvoirs avant la fin, en fait, avant de passer en NG+2, du coup, je pense que je ferai une petite pause et après je raccrocherai le reste de la vidéo à l'épisode et tout ça. Donc voilà, je vais me débrouiller, mais bon, je pense encore une fois que beaucoup de choses sont bloquées par rapport à la mission principale. On est niveau 88, on a fait un peu des trucs, on a fait un nouveau vaisseau qui est super cool. On a refait le 6 def avec la flotte écarlate. On a fait quoi dernièrement? Enfin, j'ai fait quoi dernièrement moi? J'ai fait aussi. Ah oui, l'histoire des orimorphes et tout. Enfin voilà, j'ai refait pas mal de trucs. J'ai fait des petites séries en fait sur les factions que j'ai beaucoup aimé en fait de les refaire. Honnêtement, j'ai fait d'autres choix et tout. C'était plutôt cool. Et en plus, avec les mods, c'est assez sympa. Donc, c'est parti! C'est parti, on a des bonnes armes. On a des bonnes armes, on va pouvoir combattre les idiots facilement, en théorie. C'est parti. Il y a Mathis avec nous, il fait partie de la flotte écarlate. avec moi en ce moment là, j'ai Sam, je crois. Parce que j'essaie. Ah, ça y est, ils sont déjà là, ok. Ok. Je suis de votre côté, émissaire, entrons dans le temple enfui ensemble. Je fais le choix de la force, choisissez le chasseur. Je n'ai besoin d'aucun d'entre vous, je vous affronterai tous les deux dans le temple. Il n'y aura aucun moyen de convaincre d'abandonner cette quête perpétuelle. Je pense que ça marchera pas. Du coup, est-ce qu'on essaye de s'allier à quelqu'un cette fois? Juste pour le kiff de le faire. J'en sais rien en fait. Honnêtement, ils me font chier les deux. J'ai pas vraiment envie de faire un choix. Mais bon, après, dans un sens, je suis curieux. Du coup, l'émissaire ou le chasseur? Alors, on va faire l'émissaire, allez. J'ai vraiment pas envie, j'ai envie de les défoncer tous les deux, mais bon. C'est bon? Ouh, expérience et tout. Sympa. Mazada 3. Alors, révélation, elle est sur Mazada 3. Très bien. Parmi les Ectuans. Qu'est-ce qui se passe? Premier compte. Je suis sûr que maintenant, si je revais voir Vladimir, il va me donner un temple. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, le temple enfoui. C'est parti. Est-ce qu'on va devoir les combattre en vaisseau ou pas? Parce que normalement, oui, mais là, on l'a pas fait, donc je sais pas pourquoi. Enfin, on va voir ce qui se passe. Tiny tin can of fragile humans has survived being hurtled through space once more. I admit, calling for help isn't usually how I work. But you'll be surprised how eager the other Starborn were to join in. Si, si, on va devoir combattre. Même après tout ce que vous avez fait, je veux bien vous laisser une dernière chance de vous rendre. Je vais adorer vous balancer, vous et vos amis, dans le vide spatial. That's the spirit. Come on. Let's see just how far you can get.
Allez, go. Ils sont tous derrière moi, c'est con. Ok, très bien. Oh, qu'est-ce qu'ils sont relous. Ah, là. Ok, très bien. Je me fais aider un peu, il fout rien l'autre, c'est ouf quand même. Je vais lancer la séquence d'atterrissage. Il ne m'échappera pas. C'est vrai. Beaucoup d'expérience. J'ai aussi augmenté ma... non, j'ai fait des... de la nourriture. Et j'ai pas mal de nourriture pour augmenter l'expérience et tout, que je récupère plein de trucs. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Attendez. ça arrive, ok. Ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. On peut blâmer les mods à la limite si on veut, même si c'est pas ça. Hein. Voilà. Ah, t'as la classe quand même. Hein. On devrait avoir une nouvelle armure, je crois. Ah, c'est toi qui as le, du coup, le truc Varum. Là. Ouais. Et du coup, Sam, il reste avec nous? Sam, il dit rien? Parce que, en théorie, c'est Sam, en fait. Il a même la voix, on l'entend. En tout cas, j'étais en train de parler de la nourriture. Genre, ouais, on a ça. Ça, c'est pas mal. J'ai plein d'autres nourritures. On va se goinfrer avant de partir en combat. J'ai plein de drogues aussi, j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les armes et tout. J'en ai plein encore des armes dans le vaisseau à vendre. Donc bon. Some enterprising starborn lured human mercenaries here. They built this facility. Another layer to get past before we can reach the temple. Expect more starborn. C'est bon, on y est. Ça marche. Oh non. Ça, c'est un peu bête que je dois à chaque fois passer dans le... Alors, j'en ai mis certaines en raccourci, mais à chaque fois, je sais jamais laquelle fait quoi. Donc, on va prendre ça, ça... ok, c'est parti. Je suis en train de tester un... Ouais, bah non, laisse tomber, je fais de la merde. C'est bon? Non.
Cool. Let's go. Parfait. Ouais, on a un peu changé niveau puissance. Hein. On est un tout petit peu plus mobile. C'est ça que je vais faire, je vais recharger. On est un peu plus mobile et tout ça. J'ai le jetpack là qui ralentit le temps quand je peux rester en survol. Au-dessus d'une cible, donc c'est vachement bien. J'essaye de pas trop me blinder d'objets. Je vais juste prendre tout ce qui est drogue, munitions et tout ça. C'est un peu embêtant d'avoir Sam et l'autre qui est avec nous. Du coup, les deux ont les mêmes voix. Ça marche. Ah, ils ont ressuscité les gens. Je viens de m'en rendre compte maintenant. Là, j'ai envie de réaliser en fait qui ressuscite les gens. Tirer, hein. C'est pas interdit de tirer. Ok, let's go. Un peu de tout, c'est pas grave. Ah, elle est là, la clé. Okay. Y a pas des livres à prendre ici? Je me rappelle plus s'il y a un livre. Au final, j'ai dit que je voulais enchaîner rapidement sur le prochain monde. Mais en fait, je suis resté super longtemps. Enfin, l'univers, pardon. Au final, je suis resté super longtemps. J'ai fait plein de trucs. Peut-être que le prochain, je resterai un peu moins longtemps. Mais honnêtement, on s'amuse bien. On s'amuse bien dans les univers. On fait un peu tout et n'importe quoi et tout, c'est marrant. Alors attendez, faut que je me soigne. Alors ça... Très bien. Je sais pas s'il y a vraiment
grand but à prendre des trucs. Faudra, je m'en fous, on avance. J'ai envie juste de défoncer des trucs. C'est par là. Ah, j'avais complètement oublié ça. Il faut refaire les anomalies. Are you all right? That was a shift in space-time. A dip into the multiverse. We'll have to go through a few more to reach the center. Je sais. Yes, of course. I forgot. Il y a plein de... Oh la vache, de réponses qu'on peut donner maintenant. Par rapport à être un Astrien, c'est sympa. Ben, il y en a du bordel. Presque. Ah, merci. On va devoir recharger les armes. Ah mon dieu, recharge les armes comme il faut. Let's go. Une des meilleures armes, ça reste quand même le... je sais plus comment ça s'appelle. Attendez. Le revenant, ouais. Le revenant. J'adore le revenant du... De la flotte écarlate. C'est vraiment extrêmement bien. J'ai récupéré un Kodama qui est pas mal aussi. Donc je m'amuse avec ça depuis un moment. Un peu comme à l'époque de Nioh 2. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ok. Par là. Pas par là. Par où ? Ça tire, on va s'en mêler. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un ordinateur ici? Je vais être honnête, je sais pas vraiment ce que je suis en train de faire. J'essaye d'aller vite, mais je suis en train de me perdre. C'est pas grave, c'est fun. J'aime bien aller vite des fois. 3. 4 plutôt.
La distance des robots. Les tourelles. Super fun, super pas intéressant. Ok. Let's go. Et les autres, ils me suivent ou pas? The victor goes the spoils. I said that right, right? Je t'écoute pas, Sam. Désolé, je suis un peu dans le fun de foncer la tête baissée là, c'est marrant. Let's go. C'est facile comme ça. C'est fun comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu meurs? Come on, Rook. Come on. Barely step. No. Là, on est. Ça, c'est un. Dans un univers, j'étais faible. C'était moi dans un autre univers. Est-ce que lui, il est au courant? Krix's ghost. Fantôme de Krix. What kind of cruelty is this? This some starborn trick? Alors, vas-y. Want a grim match? Tout va bien. Vous inquiétez pas. C'est bête, y a pas d'interaction entre les deux. Ah, j'attendais, j'avais fait exprès de prendre Sam en plus. Vous voulez pas interagir? Non? Alors, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Les munitions. Je vais être plein de chez plein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Est-ce qu'on est plein de chez plein ou pas trop? Un peu, ouais. Fais voir en tant que masse. Ça, on peut le jeter. Comment on jette les objets? Jeter R. Jeter ça. On va jeter ça. Ok. Ah oui, ça aussi. On va rester avec la tenue astrienne. Parce que je suis très résistant, donc il n'y a pas vraiment de problème, honnêtement. Il n'y a vraiment pas de problème. Let's go. Putain. Oh putain, le rechargement.
Il est où le vrai? Il est là. Oh mon dieu, ma vie. Il est où le gardien? Là-bas. Ah, ils étaient violents, eux. Je crois que eux, ils imitent nos armes. Enfin, ils sont créés, les doubles. Donc c'est bien de mettre une arme genre qui est très très nulle quand ils apparaissent. Et après vous changez pour les bonnes armes. I guess I shouldn't be too surprised you made it this far. Serves me right for not being convincing enough. Persuader, nous oblige à nous battre, donnez-moi les artefacts. Is this where you give your big speech? Je sais pas si ça a marché. Astrien, vous altérez tous les univers où vous touchez. Les Astriens sont destinés à les plus grandes choses. Il doit exister un univers où j'ai surmonté ça. You're an idiot. On peut faire ça. An interesting conclusion to jump to. You need to work on your delivery. Bon. I've listened, and I'm not impressed. Now, let's get to it. Peut-être dans le prochain univers, du coup. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oh mon dieu. Je crois qu'on lui fait extrêmement mal un peu trop vite. Il peut se rendre invisible, lui? Je veux pas dire, mais j'ai quasiment ruiné mes munitions de 50, là. T'es sérieux? Maintenant? Maintenant? You know, traveling with you has been something else. But the best part is when we're charting course for the next jump. I never feel at home planet side. How about you? J'ai passé flirt. Allez, pourquoi pas? That's the right answer there. See, the people I don't get are the ones who never go anywhere. They stay in their own hometown, they just live and die there. There's a whole galaxy full of wonder. Ça c'est de comique de. C'est assez comique de me dire ça quand on est genre proche du fait qu'on puisse traverser les univers, mais c'est sympa. Tout le monde n'a pas l'opportunité. There are unfortunates that have little to no choice in anything, and they have my sympathy. But there are so many people that think it's out of reach when it isn't. I think everyone should at least get out once, and go someplace, meet people. Get out of your comfort zone so you can really see that the worlds are more than just little issues and bickering. There's a mess of ugly out there, but my god, there's grandeur too. C'est vrai. Space, that great void. That's the stuff for me. I want to be the co that finds something deep out there. Solomon got us here in a big way.
I'd like to discover something that moves people. Makes them feel just a bit of what I feel. Genre le fait qu'il y ait d'autres univers peut-être. C'est pas mal ça. Genre le fait de pouvoir traverser différents univers, peut-être. C'est, honnêtement, c'est pas si mal pour bouger les gens. Je pourrais vous écouter parler comme ça pendant des heures, beau gosse. Then you are a glutton for punishment. But I do love the way you listen. Oh. Yeah, it's funny, as much as Jacob, my dad, cashes in on the family name, he's got no adventure in him. And I get it. It's dangerous, sometimes scary out there. But that's what exploration is. Going off the map and seeing if there truly be dragons. Je suis toujours à la recherche d'un serpent géant, ceci dit. I couldn't ask for better company. Je suis toujours à la recherche d'un serpent géant de Varun. Alors on a eu les artefacts et on a eu violence pure. Donc c'est lui qui a violence pure, je n'étais pas sûr. Mais après je suis pas laser, j'aime pas trop. Donc... You've done it. The temple's artifact is yours. Vous voulez dire, on est une équipe, j'aurais besoin de vos artefacts pour terminer. Ouais. Yes. You've proven yourself worthy. The unity awaits. Donc il me donne l'unité. Donc du coup, il me laisse y aller, lui. Viendrez-vous avec moi? Non. Is in this universe now. D'accord. Ça marche. Du coup. Parfait. Donc du coup, lui, il reste. C'est intéressant. Ouh, 5000. You have earned the artifacts. Go. Reach the unity. Heck of a thing we pulled off. Coming up on the end of a long ride here. We got all the artifacts. Are you ready for what comes next? Might not see each other on the other side. Faut prendre les risques, c'est notre raison d'être. I know. Just bracing for it. Hey, listen, you're probably wondering about Cora. I played it over in my head 1000 times. Honnêtement, non, je pensais vraiment pas à elle. She's coming with. I know what everyone's gonna say, but even if I told her no, she'd find some way on board that ship. And if we stayed behind, we'd both regret it. Je peux pas vous empêcher de partir à l'aventure, j'ai compris. I'm sure plenty of the others won't like it, and I'll be worried like no tomorrow if we don't end up in the same place. But I gotta keep telling myself that Cora's ready for this. Mais j'étais en train de me demander. If we don't see each other on the other side, it's been all worth it. Genre plusieurs personnes peuvent passer l'unité, on est d'accord. C'est pas qu'une seule personne, hein, parce qu'on l'a déjà fait. Donc on peut construire. Premier contact. J'ai vu qu'il y avait ça qui s'était débloqué. Andréja Barrette. Ça marche. Ce qu'on va faire maintenant, nous, c'est qu'on va. On va aller voir pour les différents pouvoirs. Donc je vais juste vérifier si maintenant. Monsieur va nous donner des endroits pour les temples. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are clear to land at New Atlantis. Please enjoy your visit to Jemison. Et j'imagine que oui, mais je pense que. Je sais pas si je coupe ou pas, parce que ça risque d'être un peu long d'aller de droite à gauche pour les différents temples.
Mais on va voir déjà si j'avais raison ou pas. Parfait. Le combat était fun, Il est où cet idiot? Oh, me dites pas qu'il... Ah, il est à la loge à ce moment-là, c'est ça? J'avais oublié. Je crois qu'il est à la loge. Ah, il doit être à la loge. Pourquoi j'ai... Non, non, j'ai rien qui a été... Oui, si. Parler à Vladimir, localiser les temples. Oh, putain. Il est à la loge. Ouais. Ouais, j'avais oublié. Donc ouais, maintenant on a les autres temples qui sont débloqués. Donc ouais, j'avais bien raison. Donc il y a une portion en fait des temples qui est débloquée seulement quand on a avancé en fait dans l'histoire du coup. C'est intéressant. Je me demande s'ils sont débloqués par rapport à qui on tue ou alors par rapport à la mission en elle-même. Genre entre l'émissaire et le chasseur. Here's the closest thing Cora has to home. Not bad, right? So you're the extra-dimensional entity, right? C'est ça. It'll be a shame to pack up all the modifications to the eye for finding the artifacts. But she's earned a break. Gilded our fortunes for sure. Alors... I'll be taking up... Not my first time. Well... Je zappe un peu les conversations, il les a déjà vues. Feel like I should be seeing... Found one. Ouais, 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 c'est les dernières choses, du coup, ça marche. On pourrait pas. I have heard of stranger things. So, the unity awaits. I'm not as afraid as I thought I would be. Stepping away from the world you know can lead to a better place. On parlera plus tard. Ouais, honnêtement, on parlera. On parlera plus tard. Dans cet univers, c'est pas vraiment mes affaires, mes oignons, les gens. Alors, on va faire un temple. Et je crois que je vais faire une pause et on va aller récupérer les autres. Je vais récupérer les autres temples sur de mon côté. Alors, anomalie scanner. C'est quoi ce. Ok, c'est ça, ce système, ça marche. Je suis content, c'est cool, c'est sympa, c'est marrant en fait. Au final, c'est vrai qu'on peut enchaîner les NG+, ultra rapidement. Genre, c'est simple de recommencer les choses en fait. Si jamais cet univers, vous avez fait des choses que ça vous plaît pas, ou vous voulez faire autre chose, bah vous passez au suivant et puis basta. Donc ça c'est plutôt sympa, ce système. Ah les munitions qui sont parties quoi. J'étais à quasiment 5000 je crois, je suis à 2005. Parfait. Alors, on va prendre celui-là. Après, on va revenir voir Vladimir. On va voir un peu ce qu'il nous dit. Et il va sûrement nous dire qu'il a trouvé d'autres temples. Et là, on fera une pause. Très bien. Ah, je me suis fait mal. Ok. Ça m'arrive. Par contre, un truc, je me demande pourquoi c'est aussi long à chaque fois de récupérer des pouvoirs.
Puis des fois, ça on passe à travers pour les derniers, je sais pas. C'est bizarre. Ces couleurs verdâtres là sur le centre. Bouclier réactif 2. Tu disais? Tu disais, j'ai pas entendu monsieur Lastria, j'ai pas compris ce que tu disais. Alors... Parfait. Bon bah du coup on peut partir, on peut s'arrêter là. Je vais faire une petite pause, je vais récupérer tous les temples. Et on se retrouve après pour passer dans le prochain univers. Je pense que... je pense que j'ai plus ou moins tout fait de ce que je voulais faire ici. J'ai Ryujin, il faudrait que je fasse. Mais Ryujin ça m'intéresse pas des masses, honnêtement. Mais il faudrait que je le fasse, Ryujin, au moins une fois. Mais ouais. On verra. Ok. Petite pause pour moi, du coup. Je récupère les temples. À tout de suite. Et nous sommes de retour. J'ai récupéré les pouvoirs. Donc on a tout à 2. Sauf un qu'on a à 3. Hop, hop. Donc on est bon. Il n'y a que celui-là qu'on a à 3. Alors, le soi parallèle, je pense que c'est lié au fait que, en fait, il y a Barrett qui le récupère aussi. Du coup, je sais pas trop ce qui se passe, mais voilà, on va un peu plus vite que la normale, en fait, pour celui-là, pour le soi parallèle. Mais ouais. Après, est-ce qu'on a besoin de faire la petite aventure avec Barrett, en fait, quand il le récupère? Ou pas? Ou on peut le faire juste de notre côté? Je pense qu'on peut le faire de notre côté, et du coup, ça irait normalement, en fait. Mais bon, voilà. Après, pour les temples non découverts, donc, apparemment, je crois que ça, c'est une sorte de petit glitch, de petit bug, où le jeu, en fait, vous indique des temples non découverts, mais c'est faux, parce que, bah, la preuve, on les a tous redécouverts, on est tous au niveau 2, et Vladimir nous donne plus de temples, donc, voilà. Donc, ça y est, on peut partir. On peut partir. Je vais faire une vérification. J'aurais dû faire une vérification tout à l'heure, mais c'est bon. Normalement, voilà, ça, je suis au max, donc j'ai plus besoin de nourriture. J'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Genre, j'ai fait de la chimie. La chimie, elle est au max. Chimie, c'est la science. Chimie, elle est au max. J'ai pas besoin du matériel que j'ai maintenant. Donc, ouais, on peut partir. On peut partir en paix. On peut partir en paix. Je suis assez content de la nutrition. Honnêtement, la nutrition est vachement sympa. C'est ce que je voulais faire depuis un moment, j'avoue. Et c'est vraiment, vraiment sympathique. Parce que les nourritures, en fait, deviennent vachement intéressantes. Genre, par exemple, là, pendant 12 minutes, vous avez 168 de résistance aux dégâts. C'est vachement sympa, en fait, que ça dure aussi longtemps. J'aurais bien voulu que ça augmente le temps. Mais ça augmente pas le temps, ça augmente que les points de vie qu'on récupère et les statistiques en fait que ça vous donne. Donc ça c'est un peu le truc bête, j'aurais bien voulu que ça augmente le temps aussi. Ça aurait été vraiment cool. En fait il faudrait 10 minutes, 10-12 minutes, c'est sympa. Mais j'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps. Ce 10-12 minutes ça vous demande quand même d'aller dans l'inventaire assez souvent. Et après c'est pour les raccourcis, c'est vrai que bon, vous avez pas grand chose. En gros... Je fais toujours un peu la même chose. Maintenant, j'ai mis genre un soin, deux boosts. Genre défense et attaque. Après, ça, c'est pour la vitesse. Et après, c'est les deux pouvoirs que j'utilise le plus. Honnêtement, j'arrive pas à trouver un autre pouvoir intéressant pour le combat. Un qui ne pompe pas trop en fait, d'énergie. Parce que tous, ils prennent énormément d'énergie. Et que je peux faire plusieurs fois en fait en combat. Et après, ça, c'est l'atmosphère, évidemment, quand on est en surpoids. Mais là, il faudrait que je mette que des soins. Honnêtement, il faudrait une autre barre de raccourci. Mais genre une barre de raccourci... genre, je sais pas, plusieurs carrés, là, une dizaine de carrés en bas. Comme ça, on peut mettre les différentes nourritures. Ça serait vraiment, vraiment cool.
Enfin, je dis dizaines, c'est beaucoup, hein, mais c'est pour dire, on peut faire un peu ce qu'on veut. Hein. Juste genre 2, 3, 4, ce serait bien déjà. Alors, ajouter les artefacts. Vous avez complété machin, une fois l'astromoteur moteur allumé, c'est bon, il va, let's go. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change de vaisseau ou pas? Est-ce qu'on va avec... avec le vaisseau pas beau? J'étais en train de me dire. On le fait comme un vrai Astrien. Oh, attendez, on va aller là. On le fait comme un vrai Astrien. On va avec le avec cette abomination de vaisseau. Je suis désolé, mais je l'aime pas du tout. je l'aime pas du tout. Smugglers use walls like this to stay off the grid. Ah, c'est marrant que tu dis ça. En plus, j'ai le truc de contrebande. Là, j'avais laissé pas mal de d'armes. Là, il y a de l'équipement. Un truc qui serait bien, j'y avais pensé à ça. Si, pour ceux qui connaissent Death Stranding, vous savez que le jeu est multijoueur, mais asynchrone. Genre, c'est pas du vrai multijoueur, c'est vous influencez en fait le monde des autres et vice-versa. Et je me suis dit, ça aurait été bien d'avoir fait pareil en fait dans Starfield. Où en fait les gens peuvent tout simplement récupérer les choses que vous laissez. Parce que vu que vous passez dans un autre univers, pourquoi pas avoir ce système là où les gens peuvent récupérer en fait ce que vous avez laissé dans votre ancien univers. Ça serait vraiment une super idée, une super mécanique honnêtement. Ça je trouve que ça a été, c'est vraiment bête de pas avoir pensé à ça. C'est vraiment très très bête de ne pas avoir pensé à ça. Ils auraient pu le faire. Parce que là, ça serait vraiment cool. Il y a même, je crois que c'est Subnautica qui fait ça. Où vous pouvez laisser des... Je sais plus comment ça s'appelle. Genre des bouteilles, ou je sais pas trop quoi. Oula, ok, on a zappé le décollage. Des bouteilles, ou je sais plus trop quoi, ou que les autres joueurs peuvent récupérer en fait. Ah ouais, carrément. Vous savez ce qui s'est passé? Je crois que c'est parce que... J'avais le bidule, en fait. Le bidule activé. Et j'ai changé de zone. Donc du coup, le jeu a considéré comme quoi j'avais allumé l'astromoteur, mais en théorie, j'avais fait un voyage rapide. Vous voyez ce que j'ai fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois que c'est ça, le problème. Ok, c'est parti. Enfin, c'est reparti. C'est encore moi. C'est très joli, ici, à chaque fois. C'est super joli. Est-ce qu'il va avoir une tête d'alien? Honnêtement, ils auraient dû mettre des têtes d'alien de temps en temps. Vous avez fait ça. J'espère que vous avez apprécié la vue. I never get tired of staring at it. Eternity. Vous dites ça à chaque fois. Do I? Welcome home, Starborn. As always, the path to a new universe is forward, past me. Or, you could turn around and return from where you came. On peut regarder un peu ce que j'ai créé. Ce que j'ai fait. As you consider stepping towards infinity, I offer you a glimpse into what will happen to the universe you may be leaving. Ça marche. As the essence of who you are is spread throughout space and time. Sharing Crix's legacy with the Crimson Fleet turns the Pirate Confederation from a mere scourge to a full-blown threat to other factions. The only thing the pirates grow to fear is each other. Ok. Donc c'est ce qu'on a fait maintenant. C'est qui ça? Ah, c'est l'émissaire, je crois. Donc l'émissaire, il a fait un culte. Ah tiens, c'est intéressant ça, on va voir ce qu'ils font. The emissary remains in this universe.
But your faith in them inspires them to seek out those they believe are worthy of finding the Unity. Many noble Starborn will be reborn under their guidance. C'est pas mal. C'est pas mal. The Constellation membership who stays behind will in time publish their data about the discovery of the artifacts, the Starborn, and the Unity. Space exploration across the settled systems is given new life as people search for hope out there in the stars. Ça marche. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait ça aussi. Agreeing to cover up Ron Hope's crimes in exchange for credits cements a partnership between Hope Tech and the Freestar Rangers. Enthusiasm for industrial advancement grows through the Freestar Collective, a greater sense that sacrifices are necessary for the sake of economic progress grows. C'est pas si mal en fait, c'est intéressant. Ouais, là j'ai choisi le microbe au lieu des créatures. The use of an engineered microbe on the Terramorphs leads to a near extinction of the species. Fear of aliens declines throughout the settled systems. Belief in the UC as the most well-protected area of space grows. Pas mal. Bah ça va, au final, hein, j'ai fait quand même pas mal de trucs dans ce monde. Although you leave this universe behind, a new universe awaits you. Who will you be in this one? What choices will you make? Ah aussi, au petit passage, quand il y avait des choix, des fois, pour refaire différentes factions et tout ça, il y avait, je crois que c'était pour la Flotte Écarlate, il y avait une phrase, c'était marrant, ça je m'en rappellerai, parce que dans ma tête, c'est ce que tous les joueurs pensaient. C'était genre, alors pourquoi avez-vous choisi de faire équipe avec la Flotte Écarlate au lieu du 6 Def? Je crois que c'est Sarah qui m'a demandé ça, je sais plus, elle a vraiment pas aimé. Je crois que la personne avec qui je parlais, elle a vraiment vraiment pas aimé. Et t'avais la phrase en fait, Astrien entre parenthèses, il y avait écrit, genre, je voulais savoir ce que ça faisait d'être du côté de la Flotte Écarlate. Genre c'est tellement une réponse de joueur ça, c'est énorme. Ça c'était vraiment cool. C'était vraiment sympa d'avoir mis une réponse comme ça. Yay. Nouvel univers où on va foutre le bordel encore une fois. Est-ce qu'on a la vie éternelle ou pas? J'étais en train de penser. Je pense pas hein, qu'on ait la vie éternelle. En tant que... Que Astrien, je pense pas. C'est cool. Je commence à bien m'amuser en fait avec ce système, encore une fois, comme j'avais expliqué. Je trouve ce système vraiment sympathique. Surtout le fait de pouvoir zapper en fait l'histoire principale ou de la refaire entièrement.
Je trouve que c'est potentiellement... Qu'est-ce qui s'est passé ? Potentiellement la meilleure façon de faire un NG+, en fait. Où on peut zapper des grosses portions et faire un peu ce qu'on veut. Dans un monde aussi grand, je crois que c'est la meilleure façon de faire un NG+. Let's go. De retour à Narion. Alors, allez à la loge. Est-ce qu'il y a des trucs? Je sais pas pourquoi il y a des objets dans les... Ici. Très bien. Alors, nickel, nickel. On a notre... Ok, cool. Tiers. Gardien Astrien 2, très bien. Donc il est un tout petit peu plus puissant, ça veut pas dire grand chose. Inventaire, nouveau objet. Combinons spatial Astrien Materia. Est-ce qu'elle est différente ou pas? Alors, filtreuse analyseur, mécanique. Ah, ça c'est bien ça. Ah, c'est pas mal. Est-ce qu'elle est différente ou pas? Oui, je crois. Ah, j'ai un doute. Elle n'est pas très différente. J'ai un doute. Je sais pas pourquoi on a ça, en fait, dans le vaisseau. On n'était pas censé avoir d'autres tenues. Dans le sens où... On va mettre là et on va mettre atmosphère privée. Où on en gagnait d'autres détenus. Je sais pas, parce qu'il y avait des gens qui parlaient de ça. Après c'est peut-être des mods et tout, hein. Je me rappelle plus vraiment. C'est peut-être des mods où on peut avoir plusieurs différentes... Je vais y arriver à trouver les mots. Hein. Plusieurs différentes tenues, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que je sais qu'il y en a qui ont différentes formes et tout. Faudrait que je me renseigne. Je me renseignerai après parce que ça m'intrigue. Attention, unidentified vessel. You have no faction markings or registered manufacturer. Please maintain course while we scan you. Assuming scans even work on whatever it is you're flying. Alright, we're done. You're clear to land at New Atlantis. Merci. Ah, parce que je sais qu'il y a plusieurs tenues d'Astrien. On a par exemple celle de l'émissaire, celle du chasseur, on a la nôtre. On va voir s'il y a des changements dans cet univers. C'est possible qu'il n'y en ait pas. Hein. Ça va ? Now that is a ship. Je pense qu'elle est différente. Il y a les lanières, la jaune. Et tout, là, les parties jaunes. Je crois qu'on n'avait pas ça. Ouais, je crois qu'on n'avait pas ça. Ouais, je suis quasiment certain que la tenue est différente. Je sais pas si elle est mieux par contre. Faudrait que je regarderai une ancienne sauvegarde pour voir. Un truc aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé deux fichiers de sauvegarde. Donc le premier en jeu normal, donc quand on avait l'Event Horizon. J'ai gardé un deuxième fichier, donc juste avant que je reprenne la vidéo, là, pour avoir le Yenassien, c'est comme ça que je l'avais baptisé. Parce que ces vaisseaux-là, en fait, je les trouve super bien, ce que j'ai fait. Enfin, l'Event Horizon, surtout, il m'a pris beaucoup de temps. Et peut-être qu'un jour, on pourra avoir genre des... On pourra les transformer en blueprint ou des trucs comme ça. Avec des mods ou je sais pas trop quoi. Donc, du coup, je les garde en fichier de sauvegarde. Allez, on va voir un peu ce qui se passe. Pour le moment, rien n'est
tout va bien. Rien n'est différent. Bonjour. Ah, on n'est pas là. Excuse me, this is a private. Wait. There's something familiar about you. Vasco, identify. Scanning. Cross-referencing known employee records of our affiliated organizations. Please remain still. This appears to be the miner from Argos Extractors. Lost as we were carrying the artifact from Vectera. Current whereabouts, previously unknown. I see. Vasco already delivered the artifact. So, why are you showing up now? Ok, donc il a rejoué quête principale, ignoré quête principale. Je fais partie des Astriens, je connais la véritable nature des artefacts. You're a... I see. So some of our theories about the artifacts are correct. You're taking their word for it? What if this person is just delusional? Non, on zappe un peu. Why don't we hear him out? All right. Let's... Alors, les Astriens cherchent des artefacts dans le multiverse. Bon bah du coup on zappe. C'est mieux. J'ai moi-même extrait certains artefacts de la roche, j'ai eu des visions. And if what you've told us, I want you to check with you track down the art. Vous n'êtes pas la même Sarah que j'ai connue, mais ça me fait quand même plaisir de vous revoir. I hope... Parfait, 400. Bien, on a eu une découpeuse. On a eu ça. Even the trace physiological and neurological bon ben voilà. I'm able to pick up from you are unprecedented. You really are something. On est de retour. On va aller parler à Vladimir. Très bien. On a notre vaisseau. Fais voir l'équipage. On peut demander aux gens de venir déjà. Vasco. Starborn, Captain, I will proceed to my... Ça marche, tu gères Vasco. Je sais pas combien de personnes on peut mettre dans celui-là. Je crois 5. J'aimerais repartir de zéro. Do you have any idea how insane? But you're not even. So we play pretend. Fine. Merci. Well, you're part. Ok, c'est bon. Starborn or not, you're part of Constellation now. On y retourne. I'm right behind you. Oh mon Dieu, Sarah, arrête de faire n'importe quoi. Alors normalement on est bon. Sarah aussi. Très bien. Sarah, tu veux pas me donner un peu d'argent? J'ai rien. Ça honnêtement, je crois que c'est le plus gros truc embêtant en fait, c'est de pas avoir d'argent. Je vais être franc, c'est vraiment de pas avoir d'argent. Ah, au tout début. C'est... Et pas de munitions évidemment. Yo. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va vite. Mais ouais, pas d'avoir d'argent et pas de munitions, c'est vraiment la catastrophe. Au tout début. C'est pire que les armes, parce que les armes, on peut les trouver petit à petit, mais l'argent, c'est un peu compliqué. On va parler à Vladimir, et après, je pense qu'on va s'arrêter. If it isn't the man I'm supposed to know from another side. Anyone who doesn't try cross. Good news is the eyes. Here's the data. Men can probably find more. Ça marche, merci. On a les parties d'artefacts. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah tiens. Je pense qu'on va s'arrêter là et. Feel like I should be. Got one. Ça marche. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais peut-être faire quelques missions, quelques trucs vite fait pour récupérer des armes et tout ça. Je crois que notre tenue elle est un peu plus stylée que celle qu'on avait avant quand même. Je l'aime bien. Mais j'aurais bien voulu en garder d'autres. Ça c'est bête ça qu'on n'ait pas d'autres tenues. Je suis un peu déçu. Enfin bref, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi à chaque fois ils nous donnent une lame de Varun. Je vois pas pourquoi. Mais ouais, c'est sympa. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Ouais, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'était cool. La prochaine fois, je pense qu'on va faire... Je sais pas trop quoi faire, en fait. Est-ce qu'on refait encore les artefacts et tout? Je pense pas que je vais faire grand-chose dans cet univers, parce que j'ai pas vraiment envie de... J'ai envie d'avancer un peu, genre, dans les univers. Genre, voir si je fais rien, ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que je vais... les prochains épisodes, je vais me concentrer sur trouver les artefacts. Donc, on fera les artefacts. Je ferai sûrement une pause pour récupérer tous les temples, comme d'habitude. Et on passera à la suite. Mais bon, avant le prochain épisode, je vais un peu farmer vite fait, genre faire quelques petits trucs et tout ça, pour récupérer des armes et tout. Peut-être faire un vaisseau, mais faire un vaisseau, ça prend tellement de temps. Ça prend tellement de temps et ça prend tellement d'argent surtout. Donc je sais pas trop. Mais ouais, on verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.